Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle méditation et aujourd'hui encore, nous allons laisser le petit oracle de la forêt choisir une carte pour nous guider aujourd'hui. Alors, aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. On va l'associer à une carte de l'oracle des elfes. Oh. Oh. N'aie pas peur, tu es protégé. Bien installé maintenant dans cette posture de méditation, je vous invite à fermer les yeux, accueillir la détente et le calme aujourd'hui. Installez agréablement. Laissez toutes les pensées au dehors, toujours. Rien d'autre n'a d'importance qu'être là pour vous dans ce temps d'éveil, de conscience modifiée. Et aujourd'hui encore, deux jolis messages. Le petit oracle de la forêt qui nous invite à l'aventure, qui nous conseille et nous assure que nous sommes libres et que nous pouvons suivre notre instinct en toute confiance. L'oracle des elfes s'associe pour nous conseiller de ne pas avoir peur, nous rassurer que nous sommes protégés. Alors, aujourd'hui, acceptez vos choix, vos désirs, vos aspirations. Prenez le temps de poser vos intentions. Et acceptez d'être libre, de suivre votre intuition, votre instinct. Quelles que soient vos croyances, vous êtes protégé. On s'occupe de vous pour votre réussite, votre bien-être. Votre calme, votre liberté, tout ce à quoi vous aspirez, tout ce qui vous fait plaisir. Inspirez, expirez lentement, dans la détente, le calme et la paix intérieure. Rien d'autre n'a d'importance. Ayez confiance. Confiance en vous, confiance en vos choix, confiance en la vie. Acceptez d'être. Quelques minutes de silence pour cette méditation en plein air, puis je reprendrai la parole.
Nous allons maintenant pouvoir accepter de mettre fin à la séance. Réimaginer l'endroit où nous nous trouvons. Garder ces messages bien présents pour laisser les effets de la méditation durer et durer encore. Et bientôt, réimaginer l'endroit où l'on se trouve. Revoir la posture de méditation qu'on avait choisie. Et lentement reprendre du tonus. Et garder en nous toute cette confiance. Et bientôt rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.